Aujourd'hui, déjà, je crois qu'on peut rappeler que c'est une manifestation historique. Il n'y a pas que les internes dans la rue. Aujourd'hui, il y a les étudiants hospitaliers, les internes, les chefs de clinique, les médecins hospitaliers qui soutiennent ce mouvement et les médecins libéraux, c'est-à-dire déjà installés en ville. Ça témoigne d'une grogne et d'une colère du monde médical global contre la dérive de notre système de santé qu'orchestre le gouvernement actuellement. Le premier point, c'est qu'il y a un projet de loi qui vient d'être déposé à l'Assemblée qui s'appelle le projet de loi 296, soutenu par M. Bruno Leroux, qui est un projet de loi qui autorise les mutuelles à constituer des réseaux de médecins et à rembourser de façon différente les patients en fonction du fait qu'ils aillent voir un médecin dans le réseau de leur mutuelle ou un médecin ailleurs. Ça, c'est scandaleux. C'est une entrave à la liberté de choix du médecin par le patient. L'accord s'est fait avec des syndicats de médecins généralistes et donc n'a pas pris en compte nos spécificités du bloc opératoire. Et aujourd'hui, le problème est le même puisqu'on reste sur la même situation. Ce qui a été écrit ne correspond pas à nos pratiques.